Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuie l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chaque, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements, pour suivre le processus de paix d'EDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Baba mzazi, tunakufurahia sana ujio wako kusema ukuiangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mimi naikala ku chef lieu ya groupement, nimeona nyingine force nyiko pale kwa batalion kutoka mu regiment ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Alors tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na PNC. Nayo isogelee population wakati wanakuwa na shinda. Zipane malalamiko yako pense kashindwa sanje na FARDC niko hapa nyuli tupatia tunakushukuru na tunapikia asante baba gouverneur. Signalons que le gouverneur ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité.